De nouveau, bonjour. L'activité que je vous propose maintenant, elle est un petit peu différente. On a déjà trouvé les mots avec A et nous avons trouvé les mots avec I. Aujourd'hui, en ce moment, je vais vous proposer des mots qui ont à la fois A et à la fois I. Ça veut dire quelque part dans une des syllabes. Il y a un A et dans d'autres syllabes, il y a un I. Ce sont les voyelles qu'on cherche. On ne va pas faire attention aux autres, d'accord? Cette fois-ci, on va faire autrement. Regardez, vous allez prendre une feuille de papier. Cette vidéo, vous pouvez la regarder plusieurs fois. Vous allez plier la feuille par la moitié. Oh, moi aussi, moi j'adore travailler avec des feuilles pliées par la moitié. Encore par la moitié. Et encore par la moitié. Vous voyez? Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 espaces. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est d'abord le dessin. Donc, vous allez devoir arrêter la vidéo parce que vous allez devoir dessiner une valise dans le premier, un parapluie dans le deuxième, un papillon dans le troisième, un radis dans le quatrième, une marmite dans le cinquième, une limace dans le sixième, une girafe dans le septième et un ordinateur dans le dernier. Vous pouvez arrêter cette vidéo. Une fois que vous aurez terminé de dessiner dans chacun des places ou dans chacune des cases les dessins, vous pouvez continuer. Valise, parapluie, papillon, radis, marmite, limace, girafe, ordinateur. Valise, c'est ce qu'on utilise pour voyager. Une limace, c'est quelque chose qui ressemble à un escargot, mais qui n'a pas de coquille. Et la marmite, c'est ce qu'utilisent normalement les sorcières pour faire les potions magiques. Allez, dessinez. Je suis revenue. Moi, j'ai fait déjà mes dessins. De la valise, du parapluie, du papillon, du radis, de la marmite, de la limace, de la girafe et de l'ordinateur. Les voyelles que je veux distinguer, c'est le A et le I. D'accord? Ce sont ces deux voyelles. Le A aussi, on écrit comme ça. Le I comme ça et en cursive, le A c'est un ferme monte descend et le monte descend par le même chemin et I. D'accord? Alors, maintenant commence le travail. En dessous de valise, vous allez écrire les syllabes de façon phonétique, ça veut dire avec des ponts. Valise. Alors, il faut faire deux ponts. Va, lise. Dans la première, j'entends va, li. Vous avez vu? À vous de continuer. Ce travail, vous pouvez me l'envoyer par Classroom ou sinon, on le voit dans le Zoom, la correction ensemble. J'espère que vous allez bien réfléchir et trouver la place de la voyelle A et de la voyelle I. Bonne chance! Et
Au revoir. Écoutez bien. N'oubliez pas que vous pouvez répéter et répéter cette vidéo.